Bonjour à tous et à toutes, nouvelle petite vidéo. On va faire une petite expérience. Comment retirer un cachet d'aspirine dans une bouteille d'eau toute neuve. Regardez comment elle a grossi. Elle a grossi. Et franchement, vous imaginez ça dans votre ventre, comment ça peut faire après? Ça se trouve, il est encore plus gros dans votre estomac. Donc c'est un doliprane. Un doliprane que sans faire gaffe, il est tombé dans le bordel. Je sais pas comment, mais il est tombé dans le bordel. Regardez comme il est gros. On a une fusée, on a un suppôt dans la flotte ou un bouchon. Vous savez les bouchons de pour attraper les poissons. Bah ça fait ça. Bon. Donc on va tester, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être avec une cuillère, je sais pas. Ah peut-être une fourchette. Ah, ça va être la merde, ça va être la galère. Je vais essayer avec une fourchette pour voir. C'est là. Comme par hasard, la fourchette en rentre pas. Comme par hasard, la fourchette ne rentre pas. Et ben, ça serait une cuillère. Une grande cuillère. Alors. Allez, on va essayer d'attraper le poisson dans l'eau. Allez, c'est parti.
Et voilà, j'ai réussi. Alors, en fin de compte, c'est juste verser l'eau dans un récipient, vice-versa, essayer d'attraper le cachet. En fait, vous avez vu, à peine que j'ai touché, le truc il s'est décapité, comme si on l'avait foutu un coup de ciseau dedans. En fin de compte, les médicaments, bah, il est resté dans le fond. Et vous avez vu, ça faisait une couleur un peu grisâtre. Donc voilà, vous avez vu, je l'ai dégagé, j'ai rincé la bouteille. Et normalement, l'eau, elle devrait être bonne. Après, s'il y a un petit peu de médicaments dedans, bah, je pense pas que voilà, je pense pas qu'on va mourir pour un petit truc, hein, pour un médicament. C'est que du Doliprane, hein. On va pas, hein? Mais non! Elle est chaude l'eau, c'est tout, c'est que de l'eau. Là, sans l'eau, chaude, tiède, voilà, parce que comme avec la chaleur. Mais sinon, l'eau, elle est très bonne. Elle est archi bonne. Donc voilà. Mis péripétie d'un médicament. D'un médicament dans le bordel. Ouais, c'est exactement pareil, la même eau. À part ça, là, elle a pas de capteur. Voilà. Donc voici le rescapé. Voilà, c'est le rescapé. Il a mouru. Mais on dirait bien du plastique, hein. Du plastique, on dirait. Je sais pas que c'est comme genre de truc, hein. Il y aura un genre de glu, je sais pas quoi. Je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, bah voilà, voilà. Voilà nos aventures d'un médicament qui a atterri dans la bouteille d'eau. Je sais pas comment. Oui, même avec la paille, il veut me parler de là-bas. Donc voilà, messieurs, dames. Par contre, ces petites bouteilles-là, excellent. Ils sont super, super, super bons. Ça, c'est bien quand t'as une petite soif, franchement, c'est génial. T'as juste à pomper.
comme les bébés. C'est un tropico. Il y a de l'orange, de l'ananas et de la. Ah, comment on appelle ça? De la mangue. Non, c'est pas de la mangue, c'est de la. Oh, peu importe. Peu importe, en tout cas, c'est. Voilà, c'est. C'est pas mal, c'est pas mauvais, mais bon, j'en boirai pas non plus tous les jours. Mais c'est pas mauvais pour mettre dans un petit sac, une petite sacoche quand t'as soif. C'est pas mal. En plus, je pense. Je sais pas si on peut les ouvrir, ceux-là. Non, on peut même pas les ouvrir. Il est sérieux le bordel? Normalement, on devrait les ouvrir pour voir si on veut le. Non, je peux pas les ouvrir. Dommage, dommage, sinon j'aurais pu faire des petites bouteilles comme ça pour moi, pour mon travail, ou l'après-midi quand j'ai fini. Comme ça, je mets un peu d'eau, un peu de grenadine. Voilà, ça me fait une petite bouteille de boisson. Voilà. Dans le bus. Hop. Je sais pas. Voilà, peut-être je vais essayer avec la pince, si j'y arrive, mais bon. Si là j'arrive pas, pourtant j'ai de la force, mais non, il veut pas du tout. À mon avis, ça va être des bouteilles qui vont être comme ça. Ouf. Enfin bref, donc voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que ça fait un médicament. Voilà, c'était dans l'eau, mais on imagine qu'est-ce que ça peut faire dans notre corps, même des fois plus. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, voilà, n'oubliez pas de liker, partager, tourner la petite cloche et de vous abonner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est pas cher, hein, vous n'avez rien à payer. N'oubliez pas de fonctionner la petite cloche, si ça ne fonctionne pas, vous éteignez, vous remettez. Et normalement, ça devrait refonctionner pour avoir toutes les notifications. Voilà. Et je vous dis bonne soirée, bon dimanche. Oui, Maout, c'est pourquoi Maout. Et je vous fais des tonnes de bisous. Ciao, ciao.